C'est pas impossible d'avoir des complications neuropsychiatriques, c'est pas honteux et on ne doit pas être culpabilisé. La crise sanitaire a très clairement impacté le moral des jeunes, en particulier en augmentant le risque de dépression, le risque de troubles anxieux, mais aussi le risque de difficultés de concentration et d'attention. Devant les difficultés d'accès aux soins, nous avons, avec la Fondation Fondamentale et le soutien de la région Île-de-France, créé dès janvier 2021 une plateforme qui s'appelle Écoute étudiants Île-de-France et qui permet aux jeunes d'avoir accès à des outils d'auto-aide et à des consultations gratuites.